Pour le groupe socialiste, Monsieur Semeril. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, mercredi 17 mars dernier, des coups de feu ont été tirés devant le Carrefour City de Clonay, blessant deux jeunes hommes. Le lendemain, l'un d'entre eux est décédé. Ces faits ont légitimement provoqué une vive émotion chez les habitants du quartier, les élèves, les parents et le personnel de l'école Champion de Cissé. Au nom de l'ensemble des élus de la majorité, je voudrais leur exprimer ce soir notre soutien, les assurer de notre détermination la plus totale à ce que ces actes ne restent pas impunis. Immédiatement après ces faits, nous avons missionné la direction de quartier pour qu'elle ouvre des lieux de parole, en lien notamment avec les acteurs de la jeunesse, afin que chaque habitant puisse exprimer sa colère et ses angoisses, afin que chaque habitant puisse être tout simplement entendu. En parallèle, et parce que la présence de l'uniforme est indispensable pour protéger les habitants, les rassurer, mais aussi pour éviter que la situation ne s'envenime, la préfecture a immédiatement renforcé la présence de la police nationale sur le terrain. Car c'est bien cette police qui est compétente en matière de sécurité publique et qui a, entre autres, pour mission de lutter contre le trafic de drogue et de faire respecter l'ordre public. Mes chers collègues, porter un regard lucide sur l'évolution de la société, sur cette violence de moins en moins réfrénée, quelles que soient les catégories sociales et les classes d'âge, la rixe de samedi en est une nouvelle illustration malheureusement. Eh bien, porter ce regard, c'est porter un regard qui n'exagère ni ne minore la réalité de ce qui se passe. À Rennes, comme ailleurs, du trafic, des incivilités, parfois de la violence, qui pourrissent le quotidien des habitants qui y sont confrontés. Mais porter un regard lucide, c'est aussi objectiver la situation de Rennes au regard des autres grandes villes et savoir reconnaître l'action déterminée des pouvoirs publics pour lutter contre ces fléaux. Personne, mes chers collègues, personne, Madame Gandon, personne, Monsieur Compagnon, ne s'honore à instrumentaliser les faits divers dramatiques, la souffrance et l'angoisse des Rennaises et des Rennais. Personne. Aux incantations, à la récupération, nous répondons par l'action. Une action déterminée, lucide et collective. Ces derniers mois, dans le cadre des instances partenariales du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, alors on peut le renforcer, mais il se trouve que depuis 20 ans, il existe. Nous avons porté une attention particulière au secteur de Clonay en raison d'une prolifération des trafics, avec les acteurs qui connaissent le mieux le terrain, autrement dit les deux polices, nationales et municipales, l'éducation nationale, Madame Gandon, et les bailleurs sociaux. Ce groupement partenarial opérationnel Clonay, il existe, se réunit très fréquemment pour proposer des solutions concrètes. Ces liens avec nos partenaires se renforcent dans le cadre des cellules de veille par quartier. Tout ce travail partenarial que Monsieur le procureur de la République saluait tout à l'heure, eh bien, est en place dans cette ville et fonctionne. Ce travail mené au quotidien avec l'État, la justice, les bailleurs, les associations, les commerçants, les travailleurs sociaux, l'éducation nationale ou encore les médiateurs et animateurs de jeunesse est effectivement primordial, mais n'est évidemment pas suffisant pour éradiquer les trafics. Il faut renforcer là aussi les moyens d'action. En 2019, souvenons-nous, plusieurs maires de grandes villes, parmi lesquelles notre maire Nathalie Appéré, ont donc demandé au ministère de la Justice et de l'Intérieur plus de policiers et plus de magistrats pour faire face à la recrudescence des faits de violence liés au trafic de drogue. Nous avons salué de la même manière, mes chers collègues, l'arrivée d'effectifs supplémentaires au commissariat de la Tour d'Auvergne à la rentrée dernière. À l'inverse, nous n'avons pu que déplorer le rejet de la candidature de Rennes pour l'expérimentation de la police de sécurité du quotidien, malgré notre mobilisation. Il reste donc beaucoup à faire pour que les services de police et les magistrats disposent des moyens nécessaires à leur action. De notre côté, nous avons là encore fait le choix d'agir en renforçant les effectifs de la police municipale. Nous aurons l'occasion de le découvrir avec la présentation du budget dans quelques instants. En plus des 75 agents déjà présents sur le terrain, nous recrutons 20 nouveaux agents dès cette année, et 20 autres l'année prochaine, pour assurer précisément des missions de sécurisation, de médiation et de prévention au plus près de la population et dans le cadre de la loi
qui encadre évidemment le travail de la police municipale. Car la tranquillité et la sécurité sont des droits fondamentaux. Personne ici ne viendrait contester cet élément. Mais c'est aussi des piliers essentiels de notre qualité de vie. Elles constituent des priorités fortes de notre action municipale, vous vous en doutez bien. Comme l'a très bien dit Monsieur le procureur il y a quelques minutes, en ouverture de ce conseil, pour combattre les trafics et empêcher les règlements de compte, il faut que la justice condamne avec fermeté et efficacité ces délinquants. Nous connaissons la détermination des policiers et des magistrats en la matière et nous leur réitérons, à ce titre, notre pleine et entière confiance. Pour autant, et cette Assemblée sera unanimement d'accord sur ce point, je l'espère, une réponse pénale à elle seule ne suffit pas à combattre la délinquance. Nous continuerons donc à investir sans relâche les champs sociaux, économiques, culturels et éducatifs de notre ville et de notre métropole. Car délaisser la lutte contre la pauvreté et le chômage, dont on sait pourtant qu'ils constituent le terreau de la prolifération des trafics, au profit de mesures purement répressives, serait une grave erreur. Dure envers la criminalité, dure envers les causes de la criminalité, voilà le principe qui doit continuer à nous guider. Tous les enjeux que nous évoquons ce soir méritent un débat, un vrai débat, qui ne se limite pas à cette seule Assemblée. Nous aurons l'occasion d'avoir le rendu d'une mission sur un sujet qui aussi fait débat. Eh bien, puissions nous en inspirer. Et c'est pourquoi du 17 au 22 avril prochain, c'est très bientôt, nous aurons dans le cadre de l'élaboration du livre blanc en matière de sécurité et de tranquillité publique, eh bien, nous aurons l'occasion d'organiser des ateliers pour proposer et imaginer ensemble de nouvelles réponses à ces questions. Nous n'insisterons jamais suffisamment sur notre attachement à construire nos politiques publiques, cette politique publique, en concertation permanente avec les citoyens. Je vous remercie. Merci, mes chers.